Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Papillon. Aujourd'hui, deuxième volet de la rencontre avec Philippe Durand de l'ONF concernant l'évolution de la forêt limousine. Cette partie est plus particulièrement consacrée au réchauffement climatique. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous voulez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien est en dessous dans la description. Merci, tout de suite la vidéo, on va avec Philippe Durand. Ciao, ciao. Avant de vous répondre, moi je vais, comme je vous l'ai montré, il y a ce tableau. C'est-à-dire que nous sommes tout de même très inquiets sur l'évolution de la santé des forêts. Depuis, nous avons eu 3 étés secs de rang, avec des dégâts sur un certain nombre d'essences. Nous suivons mois par mois les volumes que nous mobilisons d'épicéas qui sont attaqués par les scolytes, et voir d'autres essences, c'est un autre schéma. Et ça, on le fait, c'est, je dirais, là, 2018-2019, on l'a fait, 2019-2020, on est sur la troisième année où on opère ce suivi. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation sanitaire stable. Ça, il faut en avoir conscience. Mmh. Et c'est une des raisons pour lesquelles on nous suit, c'est comme un malade dans un hôpital, on lui prend la température régulièrement, ben nous, on fait la même chose, pour savoir véritablement quelle est la situation. Ensuite, vous avez plusieurs manières de voir les choses, puisque c'est fait partie des discussions qu'on avait avec le PNR 1000 vaches. Il y a 2 éléments fondamentaux. Il y a d'une part la résilience, c'est-à-dire la capacité des essences qui sont en place à résister au changement climatique. On est en Limousin dans un lieu où, je dirais que majoritairement, il résiste, mais qu'il y a un certain nombre d'essences qui ont décroché, c'est-à-dire qui n'ont pas pu résister aux nouvelles conditions qui leur ont été imposées. Donc lesquelles là, du coup? Alors, lesquelles majoritairement, si je parle au niveau du volume, c'est les épicéas, communs et sitka, ça représente à peu près 84% des volumes. Pourquoi? Parce que l'épicéa, il n'est pas forcément habitué à encaisser des températures qui vont jusqu'à 38-39 degrés. Quoi. C'est pas... Et d'autre part, il faut que les sols sur lesquels il se trouve aient une réserve utile en eau qui lui permette d'assurer ses besoins. Après, les autres essences qui sont touchées, c'est les sapins de Vancouver, c'est un sapin de la côte ouest des États-Unis. Vous avez également les sapins pectinés, qui sont par contre une essence locale. Vous avez également les chênes. Certains chênes ne résistent pas. Et ce à quoi on a tous ces suivis-là font l'objet d'une synthèse au niveau de l'ONF. Alors, unité territoriale par unité territoriale, ce qui est un peu affolant, c'est que les essences qui sont touchées ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre. Après, je réponds à votre question. La seconde manière de voir par rapport à la résilience, l'autre méthode, c'est de se dire, voyons quelles sont les essences ou les provenances qui sont susceptibles de constituer une solution. Alors ça, c'est une démarche qui a été engagée en relation avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle dans notre langage les îlots d'avenir, c'est-à-dire de tester soit des essences qui ne sont pas normalement autorisées, soit des provenances qui sont autorisées, mais plus dans le sud, ou plus bas en altitude, et pour voir un peu, on les teste, on sait qu'on prend des risques, mais ce sont des essences, des provenances qu'on a choisies en fonction de leur capacité à encaisser des sécheresses. Et donc, ce n'est que dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on verra soit on s'est trompé, soit on s'aperçoit que ça peut constituer une solution. Alors, parce que ce qui est frappant, c'est que pour l'instant, il y a 3 étés secs, j'espère qu'il n'y en aura pas un quatrième, mais que ça a des conséquences, même si ces conséquences, c'est une sorte de bruit de fond. Nous, on le mesure, il y a quand même plusieurs dizaines d'hectares par an dans ce qu'on gère, qui sont touchés. Mais il pourrait y en avoir nettement plus, c'est pour ça qu'on a besoin du thermomètre.
pour savoir si la fièvre, elle monte, elle descend, comment ça... C'est très important. Donc, on a recours, oui, et à la fois des essences, par exemple, là, sur les plateaux limousins, on teste à la fois des essences résineuses, des essences feuillues, toujours dans ces histoires de quelles sont les adaptations vis-à-vis des sols présents et de la future pluviométrie. Mmh. Et en ce qui concerne les essences communes qu'on a chez nous, comme le frêne, le hêtre, des choses comme ça, au niveau chaleur, je vais vous répondre d'une manière qui ne va pas vous plaire, mais enfin, le problème en lui-même n'est pas simplement l'évolution du climat. On est dans quelque chose qui est global. Vous posez par exemple le cas du frêne. Le frêne actuellement... Il y a des parasites dessus. Il est affecté par un champignon, ouais, qui est le Calaria fraxinea, qui vient en fait de Pologne, mais depuis 10-15 ans. Qui est un champignon systémique, c'est-à-dire que votre frêne soit en forme ou qu'il ne soit pas en forme, de toutes les manières, il risque d'y passer. Alors, il y a quand même un phénomène qui nous rassure un peu, c'est qu'il y a des individus résistants. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont résistants. Hein, on ne sait pas. Donc, ça nous oblige, nous on n'est pas touchés parce qu'on a peu de frêne, mais les gens qui sont dans la Somme ou ce genre de choses, ils ont un peu plein la gueule. Donc, ils ont été obligés de commercialiser les frênes qui étaient mourants. Et ça pose vraiment des questions. C'est-à-dire que, outre l'aspect changement climatique, vous avez également, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une réponse d'un écosystème. Dans cet écosystème, il peut y avoir des nouveaux venus et, l'arbre, c'est un individu vivant, j'insiste. Mais comme l'homme, il peut être mis en état de faiblesse. S'il est mis en état de faiblesse, un champignon qui présentait pas, qui est dans le sol, ou souterrain ou aérien, qui présentait pas du tout de nocivité, peut s'attaquer et peut faire très très mal parce que l'individu arbre en question est en état de faiblesse. Idem avec des insectes. Et la chaleur affaiblit. C'est-à-dire, dans le cas par exemple de l'épicéa, un épicéa qui est en forme, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait attaquer par un typographe, c'est un tout petit machin comme ça, qui fait 5 mm et qui perce et puis qui est en sous-cortical, qui fait des galeries. Au lieu de faire ses galeries, il y met une résine, terminé. L'autre, il ne peut plus, il est mort. Voilà. Mais si votre épicéa, il n'est pas en forme, il n'émet pas de résine. Et donc, c'est l'insecte qui gagne. Donc, on est dans ce qu'on appelle des équilibres qui peuvent, à un moment donné, se rompre à cause d'éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs, ça peut être, les sécheresses de l'été, mais ça a été là, à l'heure où je vous parle, ça a été les chutes de neige lourdes qu'on a eues cet hiver, par exemple. Et comme vous dites, l'arbre, c'est un être vivant, donc c'est important de le préciser pour les gens qui ont des bois, qui ont des forêts, c'est pas seulement une ressource, c'est quelque chose qui a son propre système, comme nous, et donc c'est marrant que vous parliez comme ça, puisque finalement, avec ce qu'on vit avec le Covid, on regarde que le système immunitaire, si on est un peu faible, il baisse et puis on est beaucoup plus vulnérable. Et on peut dire que c'est pareil pour les arbres. Finalement. C'est exactement pareil pour les arbres. C'est-à-dire que les excès de chaleur de 2003 qui ont généré des milliers de décès, les excès de chaleur de cet été, de ces trois derniers étés, ont entraîné également des coupes rases, ont un caractère sanitaire et généralement en décalé. C'est-à-dire on est devenu on regarde les essaimages d'insectes. On sait que si ça se produit à tel moment. C'est-à-dire que il y a une interaction entre le climat, les insectes, les champignons et les arbres. On n'est plus dans la même donne. Est-ce que vous pouvez nous parler des phénomènes de cavitation qui se déroulent de plus en plus sous l'effet de la chaleur? Alors, sous l'effet de la chaleur, il faut savoir qu'un arbre, c'est une pompe à eau. C'est-à-dire que l'eau qui tombe, soit elle est stockée dans le sol, soit il la récupère via ses racines, et puis il émet la vapeur d'eau. Et ainsi de suite.
C'est finalement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'été? C'est que si véritablement ça devient trop sec, il ferme ses stomates. C'est des petits pores sous la feuille qui lui permettent de limiter les échanges gazeux. Mais il y a toujours besoin de... La feuille, si elle veut vivre, il faut lui, comment dire, il faut qu'elle ait de la sève élaborée et il faut qu'il y ait également de l'eau qui arrive. Alors, soit qu'il y en a encore dans le sol, soit qu'il n'y en ait pas. Et lorsque l'absorption entraîne non pas de l'absorption d'eau, mais de l'absorption d'air, il y a des toutes petites bulles qui vont dans les vaisseaux et ça crée une embolie. Mmh. Voilà, et c'est le phénomène de cavitation. Et ça peut entraîner la mort de l'arbre. Alors c'est très visible sur un certain nombre de sapins. Mmh. Les sapins ont pas les mêmes dispositifs que l'épicéa. Et ils deviennent tout rouges. Parce que la régulation thermique ne peut plus se faire. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et est-ce que c'est sous cet effet, parce que moi j'observe aussi les voilà, j'ai aussi quelques bois et tout ça. Et je vois chaque année, en fait, des arbres qui souffrent de la chaleur, mais qui sont verts, mais qui ne reviennent pas l'année d'après. Ils sèchent et la sève ne remonte pas, en fait. Est-ce que c'est dû à ces phénomènes de cavitation ou est-ce que c'est dû plus à des parasites ou à des... Alors, vous avez un arbre qui se trouve en état de faiblesse. Un arbre qui est en état de faiblesse, il va être agressé par ce qu'on appelle des bioagresseurs, c'est-à-dire champignons, insectes. Et d'autre part, il est en concurrence. Les arbres sont tous en concurrence pour percevoir la lumière. Et il est logique, alors en particulier au niveau des chênes, l'impact d'une sécheresse ne se fait pas sentir l'année même, mais l'année d'après. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas constitué suffisamment de réserves pour démarrer l'année d'après. C'est comme ça que ça se fait. Y a, si vous voulez, les arbres, suivant les essences, n'ont pas tous les mêmes dispositifs de protection vis-à-vis des sécheresses intenses. Vous avez par exemple le hêtre. Le hêtre, il est capable, on a vu des hêtres au mois de juillet perdre la totalité de leurs feuilles. En perdant la totalité de la feuille, plus d'échanges gazeux, mais plus non plus de comment dire, de risque de cavitation. Voilà, c'est... Mais d'autres essences ne peuvent pas le faire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est bien dans un monde qui est un monde biotique et où, oui, la mort fait partie de la vie. Donc, les arbres que vous voyez là, c'est logique. Alors, dans le même type, on est dans le même type, hein, mais là, en fait, je pose un peu des questions citoyennes parce que c'est des observations que je discute avec les voisins, etc. Au niveau des chênes, justement, on en voit tomber aussi, voilà, on les trouve plus ou moins en forme, et d'un seul coup ils tombent et on se rend compte que le système racinaire, eh bien, il s'est complètement rompu. Alors, ça c'est une question très intéressante. Pourquoi le système racinaire s'est rompu? Les gens sont limités, les êtres humains, pardon, sont limités par leurs sens. Donc ils voient ce qui se passe devant leurs yeux. Or, pour les arbres, la moitié des choses se passent au-dessus du sol, l'autre en dessous. Et en dessous, vous avez l'arbre... il est en relation avec les champignons. Ces champignons lui rendent des services. Et bien évidemment, quand sa santé se détériore, eh bien, il y a un certain nombre d'autres champignons qui arrivent, qu'on appelle les pourridiers, c'est en particulier le cas des armillaires, et ils bouffent petit à petit le système racinaire. Et donc, vous avez toute une série de petites racines qui ne se développent plus, et puis le phénomène devient, au fur et à mesure des années, des dizaines d'années, ben, il n'a plus un système racinaire qui lui permet de maintenir son centre de gravité. Puisque un des problèmes de l'arbre, c'est que plus il grossit, plus il devient lourd, plus il doit maîtriser son équilibre au niveau du poids. Et alors ça, c'est ce qu'on appelle végétalement, ce sont les charpentières, et en dessous, vous avez des racines maîtres. Et si ce système racinaire ne résiste plus, ben, il ne peut que tomber. Puis il y a la résistance au vent également, qu'il n'a plus dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour revenir... Hein, on est toujours dans ce système, l'arbre fait partie d'un ensemble. Bien sûr. L'autre jour, j'entendais sur France Inter, en fait, une de vos collègues, en fait, qui parlait de ces phénomènes de sécheresse, et qui parlait, alors je ne sais pas si c'était une idée ou si c'était en cours, en tout cas, de l'implantation de même essence, mais plus au sud,
dans des forêts qui seraient plus au nord, de façon à essayer d'aider la nature, les essences locales, à faire évoluer leur génétique suffisamment rapidement pour s'adapter au phénomène de chaleur qui est en train d'arriver. Pour essayer de recoller, en fait, Oui, je est-ce vois que ce vous que vous voulez pensez que dire. c'est réaliste ou réalisable ou Alors, pas? c'est en train de se faire. Alors, là, il faut revenir sur les prévisions du GIEC. Prévision de GIEC, c'est un changement climatique accéléré. Et une discussion entre les scientifiques, c'est se dire, est-ce que les arbres présents et les essences présentes seront capables de migrer aussi vite que les changements climatiques sont en train de s'opérer. Grand point d'interrogation. Nous pensons que pas forcément. D'où l'idée d'avoir recours, nous c'est ce qu'on va faire par exemple à des plantations de chênes sessiles qui viennent, je dirais, de plus bas que le sud de la Garonne, bon, qui normalement on n'aurait jamais dû planter, mais qu'on se dit, mais peut-être que nos successeurs, ils vont bien être contents de trouver ces essences-là. Donc, alors dans le Limousin, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle, tout ce que vous nommez là, c'est ce qu'on appelle les migrations assistées. Alors, la migration assistée, il y a deux manières de le voir. Il y a une matière au niveau de latitude, c'est-à-dire vous prenez des essences qui sont plus au sud, qui sont habituées à des conditions de sécheresse plus importantes et vous les faites migrer. Bon, premier cas de figure qu'on fait. Et vous avez le deuxième migration, c'est la migration altitudinale. C'est-à-dire que, je vais utiliser un langage savant, le Limousin est divisé en ce qu'on appelle plusieurs sylvo-écorégions. Ces sylvo-écorégions, pour nous, on estime que le climat est le même dans ces sylvo-écorégions. Or, il y a des étages altitudinaux, clairement, en Limousin. Et une des idées, c'est de dire, mais est-ce qu'une essence qui auparavant était autorisée dans plus bas en altitude, il faudrait la faire monter, et ainsi elle pourrait mieux résister à, en particulier, par exemple, le Douglas, Pseudotsuga, Manezei, entre parenthèses, c'est pas un sapin du tout, il a une grande variabilité au niveau de ses provenances. Et dans ses provenances, il a une aire géographique naturelle qui est très étendue. C'est de se dire, mais finalement, dans celles qui sont les plus au sud, c'est-à-dire les Californies, est-ce qu'on pourrait voir si ils pourraient s'adapter à des zones dont on sait que le climat va changer, pour voir un peu quel serait leur comportement. Alors ça relève également de tests qui ont été faits par les généticiens, mais pas du tout dans ce but-là. C'est-à-dire des tests de croissance en diamètre, en hauteur, en testant les provenances de l'air, et c'était généralement les provenances qui n'étaient pas intéressantes. Maintenant, on n'a plus le même regard dessus, on se dit, mais si le climat change, les essences supposées pas intéressantes pourraient le devenir. En prenant en compte. C'est-à-dire que les gens considèrent souvent une essence en bloc. Les généticiens forestiers dénient cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a eu au cours des millénaires, voire des dizaines de millénaires, au bout desquels les aires de répartition des espèces se sont établies, chacune des populations se sont différenciées. Vis-à-vis, comment dire, ne débourre pas, c'est-à-dire quand les feuilles, ne débourrent pas au même moment, elles n'ont pas la même résistance à la sécheresse, elles n'ont pas la même résistance au froid, etc. Et ça, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte pour le futur. Et c'est ce qu'on a fait, nous, vis-à-vis d'un certain nombre d'essences dans le Limousin. C'est-à-dire, on a procédé à ces premiers tests de migration assistée. D'accord. Ok. En termes d'évolution du climat par rapport à l'état de la forêt actuelle, si la tendance se confirme, qui a l'air de ressembler quand même à une saison des pluies, à une saison sèche finalement, petit à petit, si rien n'est fait, est-ce que... On parlait d'un horizon 2070 en fait, j'entends de l'ONF qui parlait de ça. Oui, on raisonne à cette. Nos logiciels, c'est ClimeSens, qui n'est pas qu'un logiciel ONF, hein, c'est un logiciel qui a été mis au point par
RNT for, RNTA Force, c'est-à-dire un groupe de chercheurs de différentes origines. Ouais. Les questions que nous nous posons maintenant, c'est de se dire, à échéance de 50 ans, parce que en dessous, ça, pour nous, ça n'a pas beaucoup de signification, ouais. parce que nous, on fait des investissements. Si on plante, si on régénère, on fait des investissements. Mmh. Donc la question, c'est de dire, est-ce que l'investissement qu'on est en train de faire s'avère judicieux ou pas ? Mmh. Et donc, ensuite, on retombe sur les évolutions qu'a permis le GIEC, en se disant, quelles vont être l'importance des radiations et comment telle et telle essence va se comporter. Mmh. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, parce que c'est les questions que vous posez là, c'est des questions qu'on est en train de se poser et qu'on va appliquer cette année sur une forêt. On est ensuite obligé d'utiliser un autre logiciel qui s'appelle Foreval pour voir un peu quelles sont les réserves utiles dans le sol qui vont permettre qu'une essence puisse être considérée comme une essence qui aura un développement durable dans les 50 ans qui viennent. Mmh. Donc on est obligé d'aller jusque-là. D'accord. Et ben justement, suite à ça, là, c'est l'ONF, donc voilà. Mais en termes d'évolution de la forêt limousine, globalement, vous gérez les espaces publics, mais en fait, il y a tous les autres espaces qui ne sont pas gérés publiquement. S'il n'y a pas d'intervention citoyenne au niveau des forêts, comment vous voyez l'évolution de la forêt limousine en 2070? Est-ce qu'elle est en danger, en fait? Alors, elle est en danger, oui. Sinon, ce diagramme n'existerait pas. Hein. C'est clair et net. Nous sommes rentrés, je vous l'ai déjà précisé, dans l'ère de l'incertitude. Mmh. Ça ne plaît pas aux Français, c'est comme ça. Le changement climatique, c'est une réalité. Donc, il y a un premier élément à prendre en compte, c'est la résilience, c'est-à-dire les capacités des essences qui sont en place à résister à la sécheresse. Mmh. Et là, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une variabilité. Et actuellement, je dirais, peu de... il y a quand même quelques dizaines d'hectares par an qui passent. Mmh. Hein, bon, c'est comme ça. De quoi sera fait le futur? Point d'interrogation. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Les prévisions du GIEC, moi, j'estime qu'elles sont en train de se vérifier plus vite qu'il n'était escompté et que les incertitudes persistent. À savoir, on sait, on a des réponses. Il y a toute une série d'essences dont on sait que soit on a mis une croix dessus, soit elle présente des signes de faiblesse. Mmh. Bon, qu'est-ce qui va en être dans les 20 ans qui viennent? Personne ne peut le dire. Et est-ce qu'il y a des consultations ou est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues par rapport à vos recherches et tout ça pour aider les citoyens, en fait, des accès aux données pour essayer d'appuyer un peu les gens qui ont des forêts privées, qui ont des bois, pour essayer de les guider un peu, en fait, sur des initiatives qu'ils pourraient prendre, qu'ils pourraient faire pour leurs propres espaces. Il y a un organisme qui s'appelle le CNPF, qui a utilisé BioClimSol, qui est un organisme public, hein, donc qui s'est posé la question depuis moins de 3 ans. C'est l'organisme qui agrée les plans de gestion privée. Alors, je ne sais pas quel sera son niveau d'exigence dans le futur. Nous, ce dont je vous parle là, concernant tous ces logiciels, ils viennent de débarquer il y a un mois, deux mois. Ouais. C'est tout frais. Mmh. Donc il faudra qu'on se les approprie, qu'on le teste sur plusieurs forêts de manière à en être maître. Après, je ne sais pas, quelles sont les exigences de la DRAV, du CNPF, sur les plans de gestion en forêt privée. Mais à quelqu'un qui est propriétaire privé, bon, c'est lui qui, quand je vous ai dit tout à l'heure le rapport à la responsabilité, c'est bien évidemment lui qui est responsable et c'est lui qui doit gérer son patrimoine. Donc, il doit... à mon sens, s'informer, se renseigner de manière à faire les meilleurs choix possibles. À titre encore privé, voilà, en tant que personne, voilà, sans
vis-à-vis du monde agricole, en fait, est-ce que vous observez des choses qui vous paraissent incohérentes? S'il y avait quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur de dire, en fait, au monde agricole, au niveau de la gestion des essences. Par exemple, il y a quelque chose, moi, que je vois qui est redondant, c'est qu'il y a des chênes. Les chênes restent tous dans les champs. Donc, le paysan laisse le chêne, mais en fait, il n'y a pas d'autres essences qui sont laissées dans les champs. Donc, parce que la PAC, de toute façon, elle organise les terrains, elle impose un peu des choses. Donc, tant que la PAC n'est pas changée, de toute façon, voilà, on est propulsé dans ce modèle-là. Mais quand la PAC va changer, on n'en sait rien. Est-ce qu'en termes de biodiversité et vis-à-vis de l'évolution climatique, il y aurait des conseils qu'on peut donner au monde agricole pour préserver leurs espaces, justement, et préserver la faune? Est-ce qu'il y a des choses simples qui pourraient être faites, des choses de base qu'on devrait intégrer absolument, quoi? Alors, moi, comme je vous ai dit, j'étais avant d'être dans le Limousin, j'étais en Bretagne. Il faut savoir que le monde agricole, il est confronté de la même manière que nous au changement climatique. Ici, on est dans une région qui est une région d'élevage. Ce qui a été décidé en Bretagne, mais toujours à l'échelle régionale, c'est le plan Bresse-Bocage. C'est-à-dire, ils ont créé des dizaines de kilomètres de linéaires de bocage. De haies. Donc les haies pouvant être un refuge pour différents, différents insectes, oiseaux, etc. Mais ce n'est pas que ça. C'est également réduire l'effet du vent. Et c'est aussi être des refuges. Lorsqu'on est dans des régions d'élevage, le bétail, lui aussi, il a soif. Donc ça permettrait, et si vous regardez les vaches dans les champs, quand ça tape, elles ne vont pas n'importe où. Elles vont sous les arbres. Alors, il faut que les arbres aient cru, mais je pense que les agriculteurs seront dans des démarches similaires aux nôtres dans les années à venir, s'ils ne sont déjà pour certains d'entre eux. Bon, Philippe Durand, merci beaucoup de m'avoir accueilli et j'espère que ces questions répondront, que ces réponses répondront aux questions des citoyens. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.